Sweet hour of prayer, sweet hour of prayer that calls me from a world of cares and bids me yet my Father's throne make all my wants and wishes known. We come to the last session. Nous arrivons à la dernière partie. So in a while you will be free to go home. Et dans un petit moment, vous serez libre de rentrer chez vous. So I will not bother you anymore. Je ne vais plus vous embêter. And we're going to see some stuff about this subliminal persuasion. Alors nous allons voir certaines choses en ce qui concerne la persuasion subliminale. James Vicary. Alors James Vicary. Have claimed to flash the words "eat popcorn" and "drink Coca-Cola" in a movie screen for 1/20 of a second, every 5 seconds during the movie Picnic. Alors donc, il est la personne qui a inséré les mots "mange des popcorn" et "bois du Coca-Cola" dans un film pour une durée de 1/200 seconde, toutes les 5 secondes pendant le film qui s'appelait Picnic. Now, when this phrase "drink Coca-Cola" is 1/20, 200th in a second, it is not "drink Coca-Cola", it's something like voilà, this. Donc en fait, évidemment, quand la petite expression "bois du Coca-Cola" apparaît, c'est une telle fraction de seconde qu'on entend juste "oup", et c'est fini. Then people were going after the movie et donc and buying popcorn and drinking Coca-Cola. Et donc curieusement, après donc le film, les personnes se rendaient à l'endroit où ils pouvaient acheter des popcorn et boire du Coca-Cola. A very well-known scientist, Wilson Bryan Key. Alors, un scientifique très connu, Wilson Bryan Key, is the number one authority in subliminal persuasion. Donc, c'est le numéro un, le spécialiste numéro un de la persuasion subliminale. Has written a book, "The Age of Manipulation". Il a écrit un livre, "L'âge de la manipulation". And he explains how the mass media control your mind and what you can do to help yourself. Et il explique justement comment les mass media contrôlent votre cerveau. And I have a whole series of seminars. J'ai eu toute une série de conférences. It's called "Sound Revelation". Et qui s'appelle la révélation sonore, du son. And we go in detail to explain what the music is all about and what is happening with music. Et donc, justement, je détaille, j'explique l'impact de tous les sons, de tous les rythmes musicaux et l'impact dans le cerveau. Wilson Bryan Key has written the speeches from presidents of the United States, like Nixon and Bill Clinton. He's written the presidential speeches. Alors donc cette personne, donc Bryan Key, est la personne qui a écrit donc les discours qui ont été prononcés par le président des États-Unis, Nixon, so, par exemple. He is an authority in that. C'est vraiment quelqu'un qui a une certaine autorité dans ce domaine. I will show you this. Alors je vais vous montrer donc ce cookie. And by showing, raising up your hand. Alors vous allez lever votre main donc. How many of you see the flowers? 4 flowers. Alors combien d'entre vous voyez 4 fleurs? 3 that they are blossomed and 1 is not blossomed. 3 qui sont épanouies, qui sont en fleurs et une non. Okay. How many of you see the bird? Combien d'entre vous voyez l'oiseau? How many of you see the bird? How many you don't see the bird? Combien d'entre vous ne voyez pas l'oiseau? Here is the bird. Voilà l'oiseau.
Okay, how many of you see the bee? Alors, combien d'entre vous voient l'abeille? How many you don't see the bee? Et qui ne voit pas l'abeille? Here's the bee. Voilà l'abeille. Now, I'm going to show you. Je vais vous montrer. What your brain saw. Ce que votre cerveau perçoit. In subliminal. D'une manière subliminale. And has been registered in your brain forever now. Et qui maintenant a été enregistré dans votre cerveau pour toujours. And can influence your sexual activity. Et qui peut même influencer votre activité sexuelle. And you didn't saw it. Et vous ne l'avez même pas vu. Watch out my pointer. Regardez mon pointeur. How many of you see the letter S? Combien d'entre vous maintenant voyez la lettre S? You see it? Est-ce que vous la voyez? How many of you see E? Et vous voyez le E maintenant? How many of you see X? Et le X? How many of you see the sex? Alors vous, est-ce que vous voyez combien d'entre vous voyez? Combien d'entre vous voyez le mot sexe maintenant? You see sex? How many of you didn't saw it? Alors, combien d'entre vous n'avez pas vu? Maria, you didn't saw sex? I didn't see it. No. Take off your clothes. Let's go again. Now. Allez, on reprend. In the white S. Voilà le S. You see the S? Maria, you see it? Yes, yes. E. Le E. The letter E. Maintenant, c'est très clair. It's very clear now. Yeah. Now you see only sex. Et maintenant, vous voyez. But when I saw that portrait, you saw just nice flowers, something from nature. Et au début, donc, vous ne voyez qu'une belle nature avec des fleurs. This is subliminal persuasion. Voilà, c'est la persuasion subliminale. And now, et maintenant, this is from the 70s. Et ça, cela date des années 70. Today, aujourd'hui, if someone comes to me, et si quelqu'un vient à moi, sometimes Christians, et parfois des chrétiens, and they say with arrogance, et qu'ils me disent avec arrogance, evil has no power over me. Le mal n'a aucun pouvoir sur moi. No way. We are not outside of the influence of evil. Nous ne sommes pas à l'abri de l'influence du mal. You see? Now you see sex. Maintenant vous voyez. Colored or uncolored sex is everywhere. Oui. Et cette chose-là, maintenant, on le trouve partout. But when sex was registered in your subconscious, mais quand ce mot sexe est enregistré dans votre subconscient, the neurons fire together, alors les neurones donc ont des courants électriques ensemble, and they send the message, et ils envoient le message to your endocrine system, à notre système endocrinien, and then you may have an arousal, a sexual arousal. Et à ce moment-là, vous pouvez avoir une réaction physique, and you don't know the reason. Et vous ne connaissez pas la raison. Today, aujourd'hui, they don't have to do this. Ils n'ont plus besoin de faire ces choses-là maintenant. You see naked everywhere. Et vous voyez la nudité partout. You see? There are more symbols. Alors voici d'autres symboles. These are two cans from Pepsi Cola. Deux boîtes de Pepsi Cola. What you cannot see clearly if you put two cans of Pepsi Cola like this. Et ce qui n'est pas très visible, mais quand vous mettez deux boîtes de Pepsi Cola de cette manière-là, positionnées comme ça. Here you have an S. Ici vous voyez un S. E. Un E. X. Et un X. Sex again. Encore le même mot. Is it not amazing that all movies from Hollywood is only sex and violence. Sex and violence. Est-ce que ce n'est pas étonnant de voir que les films de Hollywood sont toujours liés au sexe et à la violence? And you know, this is a Marlboro in Asia. Voilà l'emblème des cigarettes Marlboro. Do you know this expression, Vini, Vidi, Vici? Alors, est-ce que vous connaissez cette expression, Vini, Vidi? From Julius Caesar. De Jules César. I came. I conquer, I won. Je suis venu, j'ai conquéri et j'ai gagné. And but here it's very difficult. It's the analysis not so good to see the three KKK Ku Klux Klan. Oui, c'est difficile de voir ici sur cette image les 3K Ku Klux Klan. Here you see the advertisement ici, about a liqueur. Maintenant là vous voyez une publicité pour une liqueur. Tanqueray. Qui s'appelle Tanqueray. You see, the ice is just floating. Alors le cube de glace est juste est en train de flotter. Now,
If we magnify this, et si nous faisons un zoom sur cette partie-là, what's this? Regardez. A penis. Un pénis. Why are you doing this? You never saw a penis? A phallus. Let's go back. Un phallus. This is Photoshop. It's not natural that you throw eyes and creates this. C'est quelque chose qui a été fabriqué avec Photoshop. Ça n'est pas la glace qui tombe et qui fait ce rejet. Oh, Pierre Cardin. Pierre Cardin? No. You see the images from here, you don't see what's below. Alors donc, vous voyez sur cette image, on ne voit pas ce qui est en dessous. But the six pack here. Mais les six. Six pack. How you say six pack in the abdominals? Six pack. Les abdominaux. When you make six pack, you don't know the expression. In the abdominals, six pack. It's 2, 4, 6 pair of muscles. Alors c'est pas les triceps, mais c'est les six au niveau des abdominaux, voilà. You know what's 90, 60, 90 for women? No. Ah, the size of the woman. Yeah, 90, 60, 90. Ça, alors on parle de la mensuration d'une femme, par exemple, elle fait telle taille au niveau des épaules. A six pack for a man, it means that you're. Et pour l'homme, c'est pareil, donc. So women can touch. Et donc les femmes peuvent toucher. This is an advertisement for chocolate with peanut. Alors ça, c'est une publicité pour du chocolat avec des cacahuètes. Do you know what they say about this advertisement, what is written beneath? Et est-ce que vous savez ce qui est marqué pour faire la publicité de ce chocolat? Only when it gets deeper in penetration, it gets sweeter. Ah, c'est simplement quand ça va profondément et que cela pénètre que cela devient plus doux, and then, plus sucré. When was the last time you saw peanuts? Like this. Et quand est-ce que pour la dernière fois vous avez vu donc des cacahuètes sous cette and forme-là? Penetrating this. Et pénétrant ceci. This is a phallic symbol of a vagina penetration. C'est un symbole d'une pénétration du phallus dans le even vagin. Even the way that the president is sitting is not just by stroke of luck. It's not coincidence. Oui, ça n'est pas un hasard que le président s'assoie de cette manière-là. Open legs. En ayant les jambes ouvertes. The thigh is getting exactly in the area there. Avec la giving a subliminal message. Avec la cravate qui descend comme ça et qui donne un message subliminal. I think that Bill Clinton gave the message to Monica Lewinsky. Donc Bill Clinton a certainement donné le message à Monica. This is the cover magazine from a paper. Newspaper. Alors voilà la couverture d'un magazine, d'un journal, Newport. Listen. Écoutez ceci. At the first sight, it looks good. Alors donc, à première vue, ça semble correct, bien. But see the detail. Mais quand vous regardez les détails, alive with pleasure. Une vie avec du plaisir. The woman, she has straightened up her legs. Et donc, la femme, elle a les jambes en l'air. The man is holding her hand from behind. Et donc l'homme prend la tient avec sa main à l'arrière de la tête. She has closed her eyes, mouth open. Elle a fermé les yeux, ouvert la bouche. And is exactly the same area where his genitals are, alive with pleasure. Et donc c'est exactement où sont les points de plaisir Et c'est pour ça, c'est là où se situe le plaisir de la vie. Infinite sexual connotation is here. La connotation sexuelle est totale ici. Masks by Alice Ashley. Et là donc, par Alice Ashley. What's she doing? It's an advertisement for a perfume. Donc c'est une publicité pour du parfum. Normally to advertise a perfume, you make it like this. Alors donc normalement quand on veut faire la publicité pour un parfum, on fait comme ceci. An ugly guy like me. Alors un homme vraiment horrible comme lui. Stands on the pulpit. Donc va rester comme ça. This is a good perfume. Ça c'est un bon parfum. Anybody gonna buy this perfume? Et personne ne va acheter le parfum? No. Non. But when you do this. Mais quand vous faites ceci. A very nice guy. Un beau gars. So close to her ear. Si près comme ça
de ses oreilles. This has been fallen down. Donc the brow, négligé. Oui, les cheveux qui tombent. Ah oui, un négligé. Oui, d'accord, un négligé. That means if this is here and this is here, oui, the breasts are up. Donc le t-shirt est vraiment. Then he holds her, you know, tight to him. You see. Donc il la tient bien serrée contre lui. And her cheeks are red. Et ses joues sont rouges. And dangerous but fun. Dangerous but fun. Dangereux, mais finalement drôle, amusant, c'est sympa. What or who is dangerous but fun? Alors, quoi ou qui est dangereux ou super, sympa? Not the eau de parfum. Pas l'eau de parfum, pas le parfum. So the message is, le message est le suivant. Women, les femmes, if you want to be aroused, si vous voulez qu'elles soient éveillées, and to attract a guy like this. Et si vous voulez qu'elles attirent un jeune homme comme celui-ci. Buy this perfume. Achetez ce parfum. Don't buy the other. N'achetez pas un autre. Now you may laugh. Vous riez peut-être. But every time you see it, a synapse is taking place in your brain that is never broken up. À chaque fois que vous voyez ceci, il y a un impact, il y a une connexion synoptique et que vous n'oublierez jamais. Whoa. Candies. Alors, candies sont les what bonbons. Do you think that this advertisement advertise? Alors, qu'est-ce que vous pensez que cette publicité met en valeur? Now, elle est en... she's standing with her legs straight open. Elle est assise comme ça avec les jambes littéralement ouvertes. And he's looking with this look. Et il regarde avec ce regard. And he presses the enter button. Et il presse le bouton entre. And the rocket. Ah, et la fusée. Where the rocket goes? Et où est-ce qu'elle va? Où est-ce explosion. Que va la fusée? Explosion. Where the rocket goes? Où est-ce que va la between the legs of the lady. Entre les jambes de la jeune femme. Now, the advertisement is for this. Et pourtant, la publicité, normalement, était pour la petite chose à droite du pied. For a bottle that you, the women, the ladies, they're using in the kitchen. Pour une petite bouteille qui est utilisée a par les femmes stuff. Dans les cuisines et pour nettoyer. Now, shall I say to my wife, honey, just jump up on the computer and I will detonate the rocket so we can buy this cleaning stuff. Il dit parfois à sa femme de s'asseoir sur un ordinateur et de reproduire ses choses pour acheter un produit ménager. Oh, this is Walt Disney. Ah, c'est Walt Disney. That small children are watching. Et ce sont les dessins animés que les enfants this regardent. This is Jessica, you know Jessica? Alors voilà Jessica, est-ce que vous connaissez? From Roger Rabbit. Donc c'est avec le lapin Roger. In this scene, this beautiful lady here, her dress is going on the side and is revealed the intimate. Alors donc region. on voit donc cette jeune femme assise avec une robe qui laisse apparaître sa jambe, son intimité. But she wears no underwear. Mais elle ne porte aucun sous-vêtement. And that was not just. Et ce n'est pas de la chance, ce n'est pas un pur hasard. Because those that they draw, parce que ceux qui ont dessiné les personnages, they know exactly. et ils savent exactement ce qu'ils ont one fait. More, Disney movie. Une chose the Little autre. Mermaid, you remember? Alors, la petite sirène, vous vous souvenez? Okay, you have seen that or your children now. Here. Is the castle of the mermaid. Alors ici, nous avons le château de la sirène. But when we look closer to the castle, what do you see here? Et regardez, quand on s'approche plus précisément, qu'est-ce que vous voyez? A phallic symbol. Un phallus. Yeah, that's a phallus. Le symbole du phallus à nouveau. And that was not a coincidence et as well. Et ça n'est de nouveau pas une coïncidence. This is referred to young and small children. Et ça se réfère normalement aux petits-enfants. There is nothing innocent anymore in the industry. Il n'y a plus rien d'innocent dans l'industrie actuelle. Even they go so far, you remember that? Alors, est-ce qu'ils vont si loin, mais est-ce que vous vous souvenez this de ceci? Sect, Heaven's Gate, that they commit suicide, waiting
asteroid to come before some years ago. Il y a quelques années, donc il y avait une secte, ils attendaient d'avoir je sais plus ce qu'il y avait. Heaven's Gate. They committed, there was Switzerland, they commit suicide. Ah oui, d'accord. Mass suicide. You remember them? Now Nike. Le portail du ciel. Yeah. D'accord. They found a way Nike to make advertisement because one of the people commit suicide wearing Nike, so they say go to heaven with Nike. Alors donc ils ont trouvé quelqu'un qui s'était suicidé et qui avait des baskets Nike. Alors ils ont dit ben achetez Nike pour aller au ciel. Bacardi. Alors Bacardi. Now Bacardi is an alcohol. Okay. C'est un alcool. No. Normally how I advertise alcohol. Alors oui. D'accord. I take a person. Alors quand je veux faire la publicité donc pour un alcool, je. It's saying to you. Alors je vais dire à la personne. This is good alcohol. C'est un bon alcohol. Prends-le. Bacardi is good. Bacardi drink Bacardi, please. Est bon, bois-le. Please drink Bacardi. Allez, bois-le. Give me your money for Bacardi. Alors donne-moi ton argent pour ça. But when you do it this. Mais quand je fais ceci. Uh-huh. This pretty woman here. Cette très belle femme ici. Holding Bacardi. En tenant un verre de Bacardi. Now. Read between the lines. Alors lisez entre les lignes. Button up by day. Button up means I button this. Alors ouvert la journée, donc son vêtement, il est fermé la journée. Bacardi by night. Et Bacardi la nuit. If you are buttoned by day. Si vous êtes boutonné la journée. Oui 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 oui. Now, if in this advertisement, et si dans cette publicité, instead of this beautiful woman here, si à la place de cette très jolie femme, and when men they see this, they start imagining, et qu'ils ne voient simplement que cette partie dénudée, ils commencent à imaginer. When average man sees this, what he imagines. Alors quand un homme courant, un homme en général voit ceci, qu'est-ce qu'il va penser? Qu'est-ce qu'il va imaginer? She has very good character. I like her character. Alors, il va se dire, ben, j'aime sa personnalité, j'aime son caractère. She has a very noble personality. Alors, c'est une personnalité très noble. I want to touch her personality. J'ai envie de toucher sa personnalité. Now, if instead of this lady, et si, à la place de cette femme, they have put my mother-in-law, ils avaient mis ma belle-mère, that is 105 kilos, qui fait 105 kilos, and breast, bulb, stomach and neck is one thing. Et cette belle-mère qui finalement est faite tout d'un bloc, du coup au ventre il n'y a pas de différence. And if my mother-in-law was buttoned up like this. Et si ma belle-mère avait été boutonnée ainsi. Who was going to buy Bacardi? Qui aurait acheté l'alcool Bacardi? Not even her husband. Et même pas son mari. You see, they're selling you an image. Ils vous vendent une image with sexual connotation. Avec une connotation sexuelle. Do you know devil, est-ce que vous savez que le diable, except from sin, excepté le péché, he didn't create anything. Il n'a rien créé, il n'a créé que le péché. He just perverted everything that God has done. Il a simplement perverti ce que Dieu avait fait. Sex is good. Le sexe, il n'y a pas de problème dans le mariage. In the Garden of Eden, dans le jardin d'Éden. What was the first day that Adam and Eve lived? Et quel est le premier jour que Adam et Ève ont vécu dans le jardin d'Éden? Sabbath. Le sabbat. How they spend the Sabbath? Comment ont-ils passé ce sabbat? Watching birds. Regarder les oiseaux. No. Non. When Adam saw his wife. Et quand Adam a vu sa femme. He was the first poet. He said the first poem. You are flesh of my flesh and bone of my. Oui, oui, oui. C'était, ça, il était venu. Bon, c'était la chair de ma chair. Mother Eve was not a monkey, an ape. Et mère Eve n'était pas un chimpanzé, un singe. A hairy woman, full of hair. Pleine de poils. One breast to the knees, one breast to the shoulder. Avec un sein pendant au genou et l'autre mis derrière l'épaule. Adam fall not fall down from love. Et Adam est vraiment tombé fou amoureux de Ève. And God said to Adam. Et donc Dieu a dit à Adam.
Take her. Prends-la. And multiply. Et multiplie. How you multiply? Comment multipliez-vous? How you make mathematics? Comment est-ce que vous faites des mathématiques? Then Mother Eve, she was seeing birds flying. Et ensuite, maman Ève a vu les oiseaux chanter. No, I have met people. Et j'ai rencontré des personnes. Christian. Des chrétiens. Faithful Christians. Des chrétiens fidèles. That on the Sabbath day. Qui le jour du sabbat. They abstain from giving pleasure to each other. Elles s'abstiennent de se donner un plaisir mutuel. Oh, they think it's sin. It's not et good. Ils pensent que c'est un péché, que ce n'est no. pas bon. When Adam and Eve lorsque Adam et Ève were blessed by God, ont été bénis par Dieu and they have their intimacy, et qui ont donc eu leur moment intime, was God there? Est-ce que Dieu était là? Oui. Yes. Paul says in the book of Hebrews, alors donc Paul dit dans le livre des Hébreux, what I'm going to say is biblical, alors ce que je vais vous dire maintenant c'est biblique, but may sound heretical to you, mais ça peut sembler hérétique à vos oreilles, because you may have Roman Catholic understanding in this, parce que vous pouvez encore avoir une compréhension d'Église catholique romaine. Paul says in the book of Hebrews, donc Paul a dit dans le livre des Hébreux, that the marital bed, le lit marital is what? Est quoi? No, is undefiled and is the holy of holies. Et le saint des saints, il now, n'est. What was the holy of holies in the sanctuary? Alors qu'est-ce qu'était, que représente le saint des saints dans le sanctuaire? The place where the Shekinah glory was manifested, the presence of God. L'endroit où la Shekinah, la présence de Dieu, est manifestée. So a house is a temple. Et donc la maison est un temple. It's sanctuary. C'est un sanctuaire. And the most holy place is the bedroom of the couple. Et donc le saint des saints est la chambre du couple. That means when the couple comes there, the Shekinah glory is manifested in Christ. Et donc lorsque le couple est là, la présence de la Shekinah est dans la chambre. In Deuteronomy chapter 24, et dans le livre de Deutéronome chapitre 24, God gives provision about divorce. Et donc Dieu donne des informations et des recommandations en ce qui concerne le divorce. In chapter 25, dans le chapitre 25, do you know what command gives God? Quel est le commandement que Dieu donne? If there is a war in Israel, s'il y a une guerre en Israël, war, une guerre, and there is a young man, et qu'il y a un jeune homme that he just got married, qui vient de se marier, should not go to war, ne devrait pas aller à la guerre, but for 1 year stay behind and satisfy his wife. Mais pendant un an restera auprès de son épouse et afin de lui apporter du bonheur et de la satisfaire. Imagine this. Imaginez ceci. A war between Greece and Turkey takes place. Alors imaginez une guerre qui a lieu entre la Grèce et la Turquie. And if I want to stay faithful to God, et si je veux rester fidèle à Dieu, I say to my country, je vais dire à mon pays, I will not go for a year to work to fight. Je vais pas, pendant une année, je ne vais pas aller en guerre. Maria needs me. Ma femme Maria a besoin de moi. They're gonna execute me. Ils vont m'exécuter. For God was so important, this. Mais pour Dieu, c'était si important. And if you meet even nowadays Hebrew Jewish people, mais même à l'heure actuelle des juifs donc hébreux, des juifs aujourd'hui, Orthodox Jews, des juifs orthodoxes, do you know how they start every Sabbath? Est-ce que vous savez comment ils commencent chaque sabbat? According to Talmud, selon le Talmud, the husband has to come early enough before the Sabbath will start on Friday, before sunset. Le mari doit rentrer suffisamment tôt avant que le début du sabbat ne commence. No electricity. Pas d'électricité. No work. Pas de travail. He has to light up the menorah. Il allume la menorah, c'est-à-dire les bougies. Then he takes the Bible. Et elle prend la Bible.
And he reads the Song of Songs. Et il lise le Cantique des Cantiques. The most holy book for the Hebrews is the Song of Songs. It's not Torah, it's not prophets, it's the Song of Songs. Le livre le plus saint pour le peuple juif, ça n'est pas la Torah, c'est le livre des Cantiques. And after he reads the Song of Songs to his wife. Et quand il a lu le Cantique des Cantiques à sa femme. According to Talmud. Selon le Talmud. He is obliged to perform his men masculine marital obligation. Il est obligé de donc de don't love. Il est obligé de remplir son devoir conjugal en tant que mari. You smile and you laugh because you have Catholic understanding about this, perverted understanding about sexual. Vous riez, vous souriez parce que vous avez cette compréhension catholique et cette façon pervertie de comprendre ces choses. Devil has really diverted and perverted everything that God did. Le diable, il a vraiment perverti tout ce que Dieu avait fait de bon. For a woman to get pregnant, P53 gene has to be activated. Pour qu'une femme tombe enceinte, il faut que le gène P53 soit activé. This tumor suppressor gene I told you about cancer. Oui, et ça, ce sont les ce dont nous avons parlé de ces gènes au niveau à propos du cancer hier. How this woman can get pregnant when on the Sabbath day she does nothing? Et comment est-ce que vous voulez que cette femme-là soit enceinte si rien ne se passe le jour du sabbat? And many people, many couples that they have come to our programs, et they donc, get pregnant afterwards because they keep the Sabbath. Il y a beaucoup de couples qui sont venus à ces séminaires et qui enfin, je vais dire, on réussit à avoir un enfant parce qu'ils gardaient le sabbat. Ensuite, ils ont gardé le sabbat. I had a poor guy. He was working in the Navy, in Merchant Navy. He was a captain. Il y avait donc une personne qui était venue et qui était un capitaine dans la marine. Five and a half months was in the Pacific Ocean, roaming around. Pendant cinq mois et demi, il était là à tournoyer sur l'océan Pacifique. He arrives Friday noon. Et donc il est arrivé le vendredi à midi. Brings the presents to his wife. Et offre les cadeaux à sa femme. And then says, honey. Et elle lui dit, allez, chérie. She says, no, tomorrow is church. We're gonna have communion. Ah. No. et sa femme qui dit, ah, bah, demain on va avoir le partage de la scène demain. Alors. He has to wait till sunset. Et il doit attendre le coucher du soleil. Ah, if you read the Gospels. Et si vous lisez maintenant les Évangiles. The Hebrews, they have so much fear for the Sabbath. Dans le livre des Hébreux, ils ont tant de craintes en ce qui concerne le sabbat. Et si vous lisez, ils attendaient till the sunset was there, jusqu'à ce que le coucher du soleil ait and lieu. Then they were bringing the sick people to Jesus because they were afraid if they bring him during the Sabbath they will break the Sabbath. Et donc ils avaient peur et donc ils amenaient même les personnes malades à la fin, enfin je veux dire au coucher du soleil pour ne pas enfreindre ce sabbat. That's why Jesus healing has healed on the Sabbath. C'est pour ça que Jésus volontairement, intentionnellement a guéri ce jour. The Sabbath was made for man, not man for the Sabbath. Le sabbat a été fait pour l'homme et non pas l'homme pour le sabbat. The Son of Man is the Lord of the Sabbath. Le Fils de l'homme est le Seigneur du sabbat. I didn't came to nullify the law, but I came to fulfill the law. Je ne suis pas venu pour annuler la loi, mais pour accomplir la loi. To fulfill the law with what? Mais d'accomplir la loi avec quoi? With a new meaning. Avec une nouvelle signification. You have heard, vous avez entendu thou shall not kill. Que tu ne tueras point. But I say unto you, if you say raka to your brother, mais je vous ai dit, si on dit raka, c'est-à-dire on insulte you quelqu'un, have killed him. Vous l'avez déjà tué. You have heard, thou shall not commit adultery. Et vous avez entendu, tu ne commettras point d'adultère. But I say unto you, if you look a woman with evil eye, lustful eyes, you have committed adultery. Mais si moi je vous dis que si vous convoitez, vous regardez une femme avec convoitise, vous avez commis l'adultère. I hear people make the distinction between Old and New Testament. Alors j'entends des personnes qui font la différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Old Testament God is so cruel and fundamentalist. Alors donc le Dieu de l'Ancien Testament est cruel, fondamentaliste. New Testament Jesus is full of love. Et dans le Nouveau Testament, Jésus est plein d'amour. What is more fundamentalist?
To go with a woman or to look at a woman, it will be the same thing. Alors, qu'est-ce que c'est que d'être fondamentaliste? C'est d'aller avec une femme ou de la regarder, de la convoiter? All sins start from neck up, not from neck down. Tous les péchés partent du niveau de la gorge jusqu'en haut, c'est-à-dire ce qui concerne la tête, l'entendement, et non pas en bas. We try to perform, not to do. Nous essayons de mettre en pratique, mais pas de faire. And Jesus says, you should not be, not to do, but not be this person. You should not be that person. Vous ne devriez pas être cette personne. Oh, Bacardi. Alors Bacardi. Now, laptops by day. What is a laptop? Alors laptop, l'ordinateur. Ah. In the top of my lap. That's why we call laptop. You put laptop there on your lap. Le laptop, en fait, en anglais, ça signifie un ordinateur portable, mais ça signifie le haut des genoux. You see, negligees here. Alors, elle a un négligé, un haut assez dénudé. He already had elle, a donc, spread the legs. Elle a encore ouvert ses jambes. See the faces. Et vous voyez les visages. So, you sit on my lap on the day. Alors, le jour, vous vous asseyez sur mes genoux. And by night, et la nuit, where are you going to sit? Où est-ce que tu vas t'asseoir? Not in the church. Pas à l'église. Forget it. Oh. This is an advertisement of a beer. Alors voilà la publicité pour de la bière. Now, what she's doing on the couch with her legs like this, and he is half naked. Alors qu'est-ce qu'elle fait là, assise sur un divan là, et lui à côté à moitié nu? Oh, that's really cruel. Voilà, ça c'est cruel par contre. A six-legged dog. Un chien à six pattes. This is advertisement for a beer. Et c'est une publicité pour une bière. Qu'est-ce que c'est? Do you know what's this? Et est-ce que vous savez ce que c'est? It's a doggy style. A doggy style. C'est un style de chien. You don't know doggy style? No. I have respect for the place. When two animals, they can have six legs. Oh. When the female is here and the male is going up, okay. That's a doggy style. Alors, ce qu'on appelle le style du chien, c'est signifie quand un chien va monter that's, une chienne. That's, that's advertisement for alcohol. By the way, in ancient Greek. Alors, dans le grec ancien. The word alcohol. Le mot alcool. Is hypnopnevma. Et hypnopnevma. It's a double word. C'est un double mot. Inos. Inos. Where yayin, where vine, wine comes. Alors, on entend la connotation wine, c'est vin. Means wine. Ça signifie le vin. Pnevma. Pnevma. Is a spirit. C'est l'esprit. So the word alcohol in Greek is hypnopnevma. Alors, le mot l'alcool en grec, c'est le mot hypnopleva. It's the spirit that is inside. The wine. C'est l'esprit qui se trouve dans le vin. What kind of spirit is inside the wine? Alors quelle sorte d'esprit se trouve dans le vin? God's spirit? L'esprit de Dieu? I can tell you no. Ah, je peux vous dire que non. I have destroyed billions of neurons with whiskey. J'ai vraiment détruit des millions de neurones avec le whisky. Have hope. Mais ayez espoir. If my brain has been regenerated, have hope. Si mon cerveau a été régénéré, vous pouvez avoir de l'espoir. With so much alcohol. J'ai bu tant d'alcool. Oui, 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 patron. Alors, patron. This is advertisement of a parfum. Alors, c'est une publicité pour un parfum. You see the bottle. Alors, vous voyez la bouteille. The shape. La forme. Where is here the hat and where here? Voilà où vous voyez le tie. Vous voyez and the colors. La couleur, vous faites un rapport avec le chapeau de la femme, avec l'écharpe. And the ladies almost dressed or undressed like the bottle. Alors elle est habillée ou déshabillée comme la. And when I'm like this, et quand on la voit comme ceci. And I show you this patron. Et quand no, on it's voit. Tequila. It's alcohol. Sorry, it's alcohol. Ah, it's c'est pas un parfum, c'est de l'alcool. Bon. So every male will go and drink tequila patron. Et donc tous les hommes iront acheter ce patron, cet alcool. Because by drinking the tequila they think what?
they drinking that this nice lady. Et ils pensent qu'en buvant cet alcool, ils vont boire cette jeune femme. Okay. Oh, ladies love the outlaws. What is an this is also an alcohol. Alors c'est encore à nouveau, c'est encore un alcool. And ladies love the outlaws. You know what's an outlaw? No. It's out of the law. A criminal. Oh, oui, alors les femmes aiment les choses qui sont en dehors de la loi. Voilà. In reality, the advertisement says that good ladies, real ladies like her. Alors des femmes, des bonnes, des femmes qui sont bien, comme cette personne. They prefer the criminals. Elles préfèrent les criminels. By les hors la loi, les outlaws et les alcohol. Mais ceci, c'est hors la loi, boivent de l'alcool. You become one. Et donc vous, quand vous buvez de l'alcool, vous devenez comme un hors la loi. And I don't want to be judgmental with this nice lady. Mais je ne veux pas porter un jugement sur cette jolie femme. She seems to me she's well educated. Il me semble qu'elle est bien éduquée. She has two doctoral degrees here. Elle a deux diplômes de docteur à droite à gauche. She has one master's here. Elle a un master ici. And another two degrees down there. Et elle a d'autres diplômes là. It's too superficial. C'est tout est superficiel. Now this is really blasphemous. Alors ça c'est vraiment un blasphème. This is advertising for Smirnoff vodka. Alors ça c'est une publicité pour la vodka Smirnoff. All our sheep. Alors tous ces toutes ces brebis. And when you look through Smirnoff vodka. Et quand on voit à travers la bouteille vodka, what do you see? Que voyez-vous? What reminds you? What Jesus said? Qu'est-ce que Jésus a dit? Where to those that they have what? L'habit. Mm-hmm. Ceux qui ont l'habit de brebis. That they are disguised, they are wolves disguised. Le loup est caché et déguisé sous l'apparence d'une brebis. They don't make it as an accident, they do it on purpose. Ça n'est pas par hasard qu'ils ont fait cette publicité, c'est vraiment intentionnellement. They blasphemize what Jesus said. Ils blasphèment ce que Jésus a dit. By portraying like this, so prudent. Et en faisant ce portrait, soyez prudent. Even if I didn't knew and I was a Christian. Et même si je ne le savais pas en tant que chrétien, only for this I will never have drunk at least vodka just for this advertisement. Juste pour cette publicité-là, je n'aurais jamais bu ça si j'avais été un chrétien à l'époque. In this seminar, I will not bother with the music, the role of music. Donc, dans ces séminaires présentement, nous n'allons pas vous embêter ou parler de la musique. But just for as a foretaste. Mais juste pour un avant-goût. How many of you? Combien d'entre vous? And be honest. Et soyez honnête. You're in God's house. Vous êtes dans la maison de Dieu. Sabbath might be over, but still you're in God's house. Le sabbat peut être fini, mais vous êtes toujours dans la maison de Dieu. How many of you have seen the Titanic with Leonardo DiCaprio? Combien d'entre vous avez vu le film du Titanic avec Leonardo DiCaprio? Oh, the faithful remnant needs revival and reformation. Vous avez besoin de réveil et réforme. Vous, le peuple du reste. How many of you can tell me all 66 books from the Bible begin from Genesis with an order? Combien d'entre vous pouvez me citer les 66 livres de la Bible dans l'ordre? Only one? Simplement une personne? And two? Deux? But Titanic, you have seen it. Mais vous avez vu par contre le Titanic. Good. How many of you remember this wonderful scene? Et combien d'entre vous souvenez de cette scène magnifique? Where the lady and Leonardo. Où la jeune femme et Leonardo. I didn't saw the film. Il n'a pas vu le film. I just saw some scenes when I was researching. Il a simplement vu quelques extraits quand il faisait when des recherches. In the head of the ship, quand, like ils sont, this. Quand ils sont sur la proue du bateau comme ceci. And the music plays from Céline Dion. Et la musique chantée par Céline Dion. How many of you like that song? Combien d'entre vous aimez cette chanson? Come on, don't be afraid. Allez, n'ayez pas peur, soyez honnête. Do you know what the song says? Alors, est-ce que vous savez ce que dit cette chanson? Non. You don't care. Vous ne vous en souciez pas. And the system likes that you don't care. Et le système sait et apprécie que vous ne vous en faites pas. If you read the lyrics, mais si vous lisez les paroles, this woman, cette femme, is speaking to a dead person. Est en train de parler à une personne décédée.
My Bible says, ma Bible dit, especially in the Old Testament, et particulièrement dans le forbidden with a death penalty not to communicate with dead. Alors vraiment, il nous met en garde contre le fait de communiquer avec les morts. Why? Pourquoi? Because the dead, when communicating with you, are not the dead. But evil spirits. Mais vous savez que quand nous communiquons apparemment avec les morts, ce ne sont pas avec des morts que nous communiquons, mais avec des esprits, des mauvais esprits. How tender and romantic is the voice of Céline Dion? Et rappelez-vous de la, du romantisme, de la douceur de la voix de Céline Dion. You see, when you handle with darkness, darkness will come upon you. Et quand vous voulez avoir affaire aux ténèbres, le ténèbre viendra vers vous. She lost her husband and her brother in 1 year. Did you know that, Céline Dion? Her husband and her brother died in 1 year. Alors, le Céline Dion a perdu en une année, elle a perdu son frère et son mari. Did you know in Paris when the terrorist attacked in this concert? Alors, vous vous souvenez de l'attaque terroriste à Paris lors de ce fameux concert? Did you know which song they were playing, this heavy metal band? C'était le Bataclan, c'est ça? Yeah. Oui, c'était au Bataclan. Est-ce que vous savez ce que le groupe était en train de jouer à ce moment-là? A song about Satan. Une chanson au sujet de Satan. And they were inviting the Lucifer himself. Et ils invitaient littéralement Lucifer. So he came. Alors il est venu. This doesn't mean what, don't misunderstand me. Et ne me méprenez pas, cela ne veut pas dire. First of all, we condemn the act. What they did. Nous condamnons l'acte de ce qu'ils ont fait. And so what all the people that they have died and suffered are poor victims, innocent victims. Et que ceux qui étaient là présents dans la salle, ce sont des innocentes victimes. But do you know what? Mais vous savez quoi? I have been many times in this concert. J'ai été à de nombreuses reprises dans ce genre de concert. And I have seen evil manifested. Et j'ai vraiment vu le Satan manifester, le mal. Je préfère, if I have to die, si je devais mourir, and a terrorist will shot my head, et je préférerais qu'un terroriste m'explose la tête, at least to be here, preaching the word. Ah, je préférerais que cela se passe dans le cadre même de l'église, en train de prêcher. And if he comes j'aimerais in, mieux qu'il me détruise, mais que je sois ici en train de prêcher and la if parole. He comes in and shoot me to death, I will be praising God for that? Et s'il rentrait comme ça par exemple maintenant et qu'il me tirait une balle dans la tête, eh bien au moins je louerais Dieu que ça soit dans ces conditions. I don't want my last breath to be under heavy metal concert. Mais je n'ai pas envie que mon dernier souffle se trouve être avec une musique de this metal. Very famous scene on Titanic. Alors voilà, donc on reprend le Titanic, la when fameuse image. Leonardo DiCaprio was asked in Rolling Stone magazine. Alors, lorsque dans le magazine Rolling Stone, on a posé la question à Leonardo DiCaprio. Do you know what Leonardo DiCaprio said about this? That you remember the woman was in front and he was behind, you know, and here, there, everywhere, our hearts will go on. Est-ce que vous savez donc ce que Leonardo DiCaprio a répondu à propos justement de cette attitude, de cette prise de vue? I'm quoting what he said. Et je cite vraiment ce qu'il a dit. What we did in this scene, dans ce que nous avons fait là dans cette scène, was a crucifixion, c'est une crucifixion, higher and more noble than that of Jesus Christ. Beaucoup plus haute et beaucoup plus noble que celle de Jésus-Christ. That's enough for me. C'en est assez pour moi, c'est suffisant. I have nothing against this good guy. That's enough for me. Mais je n'ai rien contre ce Leonardo DiCaprio, mais pour moi c'est suffisant. And he didn't say just like that. Et il ne l'a pas dit. He was directed what to say, official statement. Et donc c'était une déclaration officielle, ce n'était pas par hasard qu'il a dit cette chose-là. C'était. Okay. So I need to run this very fast. The science of meditation. Alors, la science de la méditation, maintenant. And we have all proof what health benefits you have when you really make Christian prayer, not Eastern meditation, but Christian praying. Alors, voilà donc vraiment quel est le bénéfice quand nous faisons des vraies prières chrétiennes. All these benefits. Alors, voilà tous les bénéfices. Rates, cardiovascular, hypertension, all these you alors, can read hypertension, dépression, anxiété, les maladies cardiovasculaires, un taux de mortalité plus bas, voilà, qualité de la vie. We need to make another seminar only for this. Et nous devrions faire un séminaire juste pour ça.
And we have studies about the mechanism between prayer and the biology in the religion. Et nous avons donc le mécanisme entre les prières et le mécanisme biologique. And it has to do with the activation of the sympathetic nervous system. Alors donc ça a à voir avec l'activation du système nerveux sympathique. The so-called hypothalamic pituitary adrenal axis, forget it. Oui, alors ça concerne l'axe hypothalamique, pituitary. Then we have the psychological effect. Alors voilà les effets psychologiques également, moins d'anxiété, des effets physiologiques. And then biological effects upon our body. Et donc des effets biologiques sur le corps. And we've done a lot of research on what is in our mind. Et il y a de nombreuses recherches qui ont été faites pour connaître ce qui se passe dans notre cerveau. And for those of you that perhaps you may decide to join the program that we're about to do next year in Greece. Alors si il y en a certains d'entre vous qui sont prêts à participer au prochain programme qui va avoir lieu en Grèce en 2018. I will show you there beyond any reasonable doubt. What is in your mind? Je vais vous montrer exactement ce qu'il se passe dans votre esprit. Now we've done here research and prayer. Alors nous avons fait des recherches et nous avons découvert que almost the same analgesic pain relieving result, even like taking pain pills. Alors donc l'effet de la prière a les mêmes effets que lorsque nous prenons des médicaments, des pilules pour nous enlever la douleur. And most patients, almost 82%, they believe in the healing power of prayer. 82% of patients. Yeah. Alors il y a quand même 80. Hospitalized patients. Alors les personnes parmi les personnes hospitalisées, il y en a quand même 82% qui sont convaincus de l'efficacité, de la puissance de la prière pour être guéri. 64% of the hospitalized patients, they feel that the doctor should pray with them. Ah, donc 64% quand même des malades hospitalisés souhaiteraient vraiment que les docteurs prient avec eux. And I have seen that in the programs. Et ça, j'ai vu ça aussi moi dans mon programme. Patients, they feel more comfortable talking to a doctor about spiritual things than with a pastor. Et donc il y a des personnes qui se sentent plus à l'aise de parler avec un docteur qui est spirituel plutôt que de s'adresser directement à des docteurs. Plato, before 2,500 years ago, he said. Alors donc Platon a dit il y a 2000 ans en arrière. That the greatest mistake the doctors do, they try to heal the body without addressing the mind. Donc, Platon a dit que la plus grande des erreurs que font les médecins, c'est de vouloir guérir le corps, c'est-à-dire le côté physique, sans s'occuper du mental, sans s'occuper de l'esprit. And one major thing you can do in this process is the healing act of forgiveness. Et donc, une chose qui est très importante dans ce processus que vous pouvez faire, c'est l'acte de pardon. It's how you see the glass, half empty or half full. Comment est-ce que vous voyez ce verre? Vous le voyez à moitié vide ou à moitié plein? It makes a difference how you see the glass. Et cela fait une grande différence, la manière dont vous voyez ces New choses. New scientists love the inside story. Alors donc, voilà, le journal Nouveau Scientifique, l'amour, l'histoire interne. The physiology of marriage, pathways to health. Married people are more healthy. Alors, c'est la pathologie des mariages. Les couples, les mariages sont plus, sont en meilleure santé. Yesterday I saw you, Harlow's monkeys, you remember? Alors, hier, je vous ai montré donc les singes de Harlow, vous vous souvenez? And today we have mothers that they don't love their children. Et je vous ai montré donc lorsque les mères n'aiment pas leurs enfants. This is a very well-known cardiologist, Dr. Ornish. Alors voilà un cardiologiste célèbre, Dean Ornish. We don't know each other, but he shows eight pathways to health, eight pathways that you have good health. Donc on ne se connaît pas, mais bon, il a déterminé huit chemins, huit principes. Pour pouvoir être en bonne santé. Love and survival. Alors, l'amour et aimer et survivre.
He is also a vegetarian. He promotes good diet, exercise. Alors il est aussi végétarien. Il est en faveur d'un style de vie que l'on connaît. Almost 35 career as a doctor. 35 years career as a doctor. Alors il a 35 ans d'ancienneté en tant que médecin dans sa carrière. He didn't find the most strongest factor for health than the good and authentic relations of love and friendship. Il n'a pas trouvé mieux dans ce qu'il pouvait apporter que un amour avec un amour et une amitié authentique. And here is the great debate: what is more important, what you inherit or how you live? Alors, qu'est-ce qui est le plus important? C'est ce que vous héritez ou est-ce que c'est ce que vous vivez? The findings suggest that the mother's parenting style can affect the activity of child's genes. Just repeat the first part. The findings suggest that the mother's parenting style. Alors, les recherches suggèrent que le style des parents et particulièrement celui de la mère peut affecter l'activité des gènes de l'enfant. That means the way that the children were raised from the mother will determine a lot. La manière dont la maman va élever son enfant est déterminant. Viktor Frankl a told you yesterday, this neurologist, that he was in Auschwitz for 3.5 years. Alors donc, on a parlé hier de ce neurologiste qui avait été à Auschwitz pendant 3 ans et demi, Viktor Frankl. When he came out. Lorsqu'il en est sorti. Until he died in 1998. Jusqu'à sa mort en 1998. He was awarded 28 honorable doctoral titles. Il a été honoré de 28 titres de 28 titles of doctor. Alors de titres de docteur, donc il a été gradué 28 and fois. And he has said that sometimes there are external circumstances. Alors, beyond dit, our control. There are circumstances in life that are beyond our control. We cannot. Il y a des circonstances dans la vie qui sont au-delà de notre contrôle. The attitude that we choose to do in the face of these circumstances will determine our happiness or misery. Donc la manière dont nous allons aborder justement ces circonstances vont être déterminantes pour la suite. And this is a spiritual journey with a relationship with God that gives meaning to life. Et pour lui, c'est son cheminement avec Dieu qui a donné une signification à sa vie. Friedrich Nietzsche said, "Was mich nicht tötet, macht mich immer stärker." Alors ça, c'est Nietzsche qui dit quelque What chose. What does not destroy me makes me stronger. Ce qui ne me détruit pas me rend plus fort. So the problems of life. Alors le problème de la vie. Either you will come out stronger, or you're going to be destroyed. Soit vous allez en ressortir plus fort, soit vous allez être détruit. I'm closing. Maintenant, je vais conclure. I have mentioned many times this story and you have perhaps you have seen it or read it. J'ai mentionné cette histoire à plusieurs reprises et bon, maintenant. In 490 before Christ. In 490 before Christ. En 490 avant Jésus. In a place in the middle of Greece called Thermopylae. Alors à un endroit en Grèce qui s'appelle Thermopylae. 300 crazy people from Spartans. 300 personnes, disons, folles de Sparte. And there were another 700 from another city. Et il y en avait aussi 700 autres d'une autre ville. But when the battle started, the Spartans said to the others, "Go away. We stay alone." Et donc, quand la bataille a commencé, les 700 ont dit aux autres, "Allez, allez-vous-en. Laissez-nous tranquilles." I have good genes. J'ai de bons gènes. Because my father comes from Sparta. Parce que mon père vient de Sparte. And my mother comes from Berea. Et ma maman vient de Bérée. Acts 17. On voit ça dans les Actes 17, chapitre 17. The Bereans were better than the Thessalonians. Les Béréens sont meilleurs, sont mieux que ceux qui sont à Thessalonique. I have good heredity. Et donc il a une bonne hérédité. And when a 500,000 army of the Medo-Persian Empire came, 500,000. Et quand un million de soldats de l'armée Médo-Perse est venu, the king of Medo-Persian said to the Leonidas, the Greek king.
Et donc, le roi de Médo-Perse a dit au roi perse, au roi grec, pardon. Surrender. Soumets-toi, rends-toi. Give us earth and water. Donne-moi des terres et de l'eau. But in the Spartan mentality, the word surrender didn't exist. They didn't know the word surrender. Mais dans la mentalité et même dans le vocabulaire des personnes de Sparte, ce mot-là, se soumettre, se rendre, ça n'existe pas. Then the Medo-Persians told them. Et donc les Medo-Perses ont dit. And that's history. Et c'est l'histoire. We have so many bows and arrows. Nous avons tant d'arcs et de flèches. And if we shoot against you, et si on tire dans votre direction, we will cover the sun. On va couvrir le soleil, recouvrir le soleil. And the Spartans replied, et les Spartes répondirent, that's good, we're gonna fight in the shade. Oh, ça va très bien, on va se battre la nuit, là dans l'obscurité. Then the king, the Greek king, said to the Medo-Persian. Et donc le roi a dit au roi Médo-Perse, when the sun, quand le soleil will rise from the west, va se lever de l'est, and will set in the east. Oh, on the other way around. Yeah. Ah, okay. Donc quand le soleil se lèvera à l'ouest et se couchera à l'est, then we will surrender. Alors nous nous rendrons. Come and get it. Alors venez et prenez-nous. Come and get it. Venez. And they came. Ils vinrent. Can you imagine half million army against 300? Est-ce que vous imaginez la moitié d'un un demi-million de soldats contre 300 Spartes? Do you know how the Spartan children were raised up? Est-ce que vous savez comment les enfants de Sparte ont été élevés? They not to have love for money. They didn't have money. Ils n'avaient pas d'argent. And secondly, boys, they were taken from very early age. Et les enfants étaient pris très jeunes, les petits garçons étaient pris très jeunes. To trees, a tree, a trunk like this. A tree has a trunk like this. Alors ils avaient un tronc large comme ceci. And they were training small boys to hit with a shoulder blade the tree. Et donc, ils entraînaient le petit garçon à frapper, à heurter comme ça ce tronc. Either two things will have happened. Et donc deux choses pouvaient arriver à ce moment-là. Till that was broken. Soit l'épaule était cassée, or the tree was broken. Ou l'arbre était brisé. So when you are a grown up man, et quand vous êtes un homme qui a grandi, and you have broken trees by this, et que vous avez donc fracassé, brisé des arbres comme ceci, you can imagine what you can do to a human being. Et vous comprenez ce que vous pouvez faire à un être humain. Without a sword, just by pushing. Sans épée, sans lance, rien du tout. And the tradition was that the Spartan mothers, when their sons going to war, et donc dans la tradition, les mères spartes, quand ils allaient à la guerre, mother was given the shield. Donc la mère donnait le bouclier. She was saying to the son. Et voilà ce qu'il disait. Elle disait à son fils. Come with the shield, or they will bring you above the shield. But alors, don't come without the shield. Alors viens avec le bouclier, ou bien on te ramènera au-dessus du bouclier, mais ne viens pas sans bouclier. Now imagine 300 people fighting like one and pushing like this. Imaginons 300 personnes qui viennent et qui vont se battre de cette manière-là. Medo-Persians could not understand. They didn't expect this. Et donc l'armée de Medo-Perse ne s'attendait pas du tout à cela. First day. Premier jour. Nothing. Rien. Second day. Deuxième jour. Third day. Troisième jour. On the fourth day. Le quatrième jour. A Greek shepherd. Un berger grec. Always the betrayal is from inside, is not from outside. The betrayer oui, is always la trahison inside. Vient toujours de l'intérieur, pas de l'extérieur. A Greek shepherd for 30 silver coins. Pour 30 pièces d'argent, un berger grec said to the Medo-Persians, a small path behind the mountain. A mentionné à l'armée Medo-Perse l'existence d'un petit sentier where they could come from behind and make them. Et donc un petit sentier qui leur permettait de passer par l'arrière et de les attaquer and par l'arrière. And the fourth day, as the battle was finishing, and still the Medo-Persians were pushed. Et back. Donc le quatrième jour, alors que la bataille battait son plein,
The news came to Leonidas. Donc la nouvelle est venue aux oreilles de cette personne, Leonidas, du roi, pardon. Say go. They will come both ways. Et donc la nouvelle, ça a été de dire allez, va, parce que la bataille est finie. Ils vont venir des deux côtés, de l'avant et de l'arrière. It doesn't make sense to fight. Go back to the Sparta. It's over. Oui, rentre à Sparte. Rentrez à Sparte. De toute façon, la bataille est terminée. Leonidas said. Et le roi a dit. Spartan law. The Spartan law says no retreat, no surrender. La loi de Sparte dit non, on ne revient pas, on ne quitte pas la bataille. And they on ne se retire pas. Waiting for both sides to come. Et donc ils ont donc attendu qu'ils soient entourés des and deux côtés. History has a record. Et donc l'histoire raconte. Do you know what they did the last night before they died? Et vous savez ce qu'ils ont fait la dernière nuit avant de mourir? They didn't cry. Ils n'ont pas pleuré. They didn't think, oh, we're too young, my wife, my children. Ils ne se sont pas dit, oh, ma femme, mes enfants, on est trop jeunes. They washed their hair. Ils ont lavé leurs cheveux. Because according to the tradition, parce que selon la tradition, it was only an honor for a soldier to die with clean head. Ça a toujours été un honneur pour un soldat de mourir avec une tête, avec des cheveux propres. Et donc l'armée médo-perse est arrivée. They didn't find not even the bones of the soldiers of the 300. He had such a rage that they really. Il y avait une telle rage et ça a été un tel combat acharné qu'ils n'ont même pas retrouvé les os des 300 Spartes. There is a monument there. Il y a un monument là-bas. That is written in ancient Greek. Qui est marqué en grec ancien. And that was the last words of Leonidas. Et ce sont les dernières paroles du roi Sparte. Go tell to the Spartans. Va aller et dites aux gens de la ville de Sparte. You are Greek, right? Vous êtes grec, n'est-ce pas? Shall I say it in ancient Greek first? Alors est-ce que je vais dire les choses d'abord en grec? Oxin angelin lakedemoni sotiti de kimetha to ginon rimas epithomeni. Go tell to the Spartans. Alors, allez dire aux gens de Sparte. That we have stayed and we are buried. Nous sommes vraiment restés jusqu'au bout et nous sommes enterrés. Faithful to the law that they have dictated us to come here and fight. Fidèles à la loi qui nous avait demandé de venir et de combattre. To whom you saw faith. Vers qui vous voyez? Qui est-ce qui a la foi? Who asks you to become faithful unto death? Qui vous a demandé d'être fidèle jusqu'à la mort? This will determine your attitude and character. Ceci va déterminer votre attitude et votre caractère. I'm saying goodbye to you. Et maintenant, je vais vous dire au revoir. I hope and pray to see us soon. J'espère et je prie pour vous revoir bientôt. But if we don't see each other, mais si nous ne revoyons pas, I pray we're gonna meet in heaven. J'espère que nous nous verrons au ciel. Otherwise, you should know from today, et autrement, vous sachez qu'à partir d'aujourd'hui, and as a man, I have only my word to give to you, nothing else, only my word. Et en tant qu'homme, en tant qu'humain, je n'ai que mes paroles, je ne peux pas vous donner plus que mes paroles. That in Greece, you have two good friends, my wife and I. En Grèce, vous avez deux bons amis, ma femme et moi-même. And I'm staying on my word. Et je garde ma parole. And it will be our honor and our joy to serve your needs. Et ce serait un honneur et une joie de vous servir. Thank you. Et de répondre à vos besoins. Merci.